Bienvenue à toi dans cette série où je t'emmène découvrir le Portugal du nord au sud, puis du sud au nord. Durant ce road trip, je serai accompagné du frérot Dakentai. Il roulera avec un Kawasaki ZX-6R 636 de 2019. Je serai quant à moi équipé de mon 1000 GSX-R de 2012. C'est la première fois que j'emmène cette moto dans ce pays et je te cache pas que j'ai un petit peu de pression car le but est de prendre du plaisir sur ces magnifiques routes et de se mettre le moins en danger possible. Car une fois le road trip terminé, je dois encore ramener la moto à Paris. Et quand je te dis ramener la moto, c'est par la route, si tu vois ce que je veux dire. Au programme, c'est pas moins de 1500 km qui nous attendent répartis sur 4 jours de route. L'objectif est d'arriver à Faro en ne prenant que les routes du littoral, puis de remonter dans le nord du Portugal en passant plus par les terres, afin de profiter des jolis cols et des routes à virage. Dans ce premier épisode, nous sommes le vendredi 23 août. Il est 10h passé. Nous partons de Amarante et avons pour destination Nazaré. Bon allez, assez parlé, les sangles sont serrées, les casques sont attachés et nous voici partis pour une fabuleuse aventure. Porto mon gars. Ça va frérot, on nous voit là. Ah c'est bon. Oh c'est bon. Oh qu'est-ce que c'est bon. Le sportif du seigneur. Oh là là. Après avoir dépassé Porto, nous avons décidé de faire une petite pause pour s'hydrater car nous subissons énormément la chaleur. Il faut savoir que pendant ce road trip, les températures pouvaient monter jusqu'à 37 degrés. Lors de cette petite pause, nous avons rencontré un jeune motard avec qui nous avons pu échanger sur notre passion commune. C'est marrant de voir à quel point les gens sont stupéfaits lorsque tu leur annonces le nombre de kilomètres que tu prévois de faire en quelques jours, surtout en sportive. Je suppose qu'il y a aussi une certaine forme d'admiration, car nous savons tous que cette passion du voyage à moto peut nous mener à bien des embûches. En tous les cas, c'est un très bon moment que nous avons passé avec toi mon gars, en espérant que tu pourras réparer ton CBR 1000RR. Allez, il est temps de repartir. La journée passe incroyablement vite et nous avons encore pas mal de kilomètres à parcourir avant d'arriver à Nazaré. La faim commence gentiment à s'installer, mais nous devons pousser un maximum pour ne pas prendre de retard sur notre itinéraire. Bon, t'es prêt ? C'est reparti. Centre-ville de Aveiro. C'est trop stylé ici. De ouf mec. Mais de ouf frérot. Ah mais c'est un truc de baiser gros. C'est un peu comme Venise tu vois. Eh frérot mais on dirait c'est Porto avec les barques et tout. Ah c'est lourd. Ah ouais frérot c'est lourd de ouf. Ah mais gros quand j'ai vu le truc j'étais là genre oh mon gars j'ai allumé les GoPro direct. Vas-y on va bouffer là gros. Vas-y hein.
Ah, c'est posé. Faut juste que les bécanes soient à côté, quoi. Ouais, voilà, mais de toute façon, on va se mettre là, hein. Finalement, nous n'avons pas énormément roulé depuis notre dernier arrêt dans la station-service. Mais la faim se faisant de plus en plus sentir, nous avons décidé de faire une halte dans la petite ville de Aveiro. Au menu, ce sera petit hamburger des familles accompagné de 4 petites bouteilles d'eau. Pendant ce repas, nous en avons profité pour réserver notre nuit d'hôtel dans la ville de Nazareth. Mais au vu des tarifs prohibitifs, nous avons porté notre attention sur une petite ville située à une dizaine de kilomètres de Nazareth, j'ai nommé Alcobas. Et dans cette ville, nous avons donc réservé un hôtel 3 étoiles pour, tiens-toi bien, 60 euros. Donc, changement d'itinéraire, nous dormirons ce soir à Alcobas. Allez, il est temps de se remettre en route. Il nous reste encore un peu plus de 160 km à parcourir et l'après-midi est déjà bien entamé. Eh ben les frérots, eh ben regardez-moi ça. C'est pas la liberté ça? Hein? C'est pas la liberté ça? Oh c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon? C'est ça les gars, la liberté, c'est ça. Ça mon gars. Oh c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon? Oh là 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 mon gars. Tu te surfuis! Bientôt se poser à l'hôtel. Enfin. Ah c'est bon. Ah là tu as perdu bien, putain mec,
On y est quoi, yes. Bon, on vient d'arriver. T'es mal à la chambre d'hôtel. Franchement, on n'est pas humble là. Deux lits simples, tranquille le chat, petite télé cathodique. Et là mon pote, t'es mal à cette vue gros. T'es mal. 59 euros la nuit. Ah putain gros, il m'a fait peur. T'arrêtes de faire des conneries. 59 euros les amis. Hôtel Santa Maria, 3 étoiles. Que demande le peuple? En plus parking et tout quoi. Et on est à Alba Sacco. Alba. Eh vas-y j'arrive. Alba Casso. Alba Casso, oui c'est ça. Alba Casso, à 10 km de Nazareth. Il est en train de préparer sa visière claire. Oh, je suis un connard, j'en ai pas. Voilà. Et là mon pote. Gros salle de bain. Le feu les amis, le feu. Et là on va aller Dams. Damso. Après s'être reposé un petit peu à l'hôtel, nous avons décidé de reprendre les motos pour aller manger à Nazareth. Voilà, on va essayer de se trouver un petit endroit pour aller gaiement. On est à Alba Casso. Et ça fait tellement du bien de ne pas être avec la combi. Oh, je te dis, moi j'ai pas l'habitude de ces conneries. Du coup, je me sens pas tout à fait à l'aise, tu vois. Ouais, t'as vu? Oh là 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 là, t'as vu un peu les flammes de l'enfer qui s'échappent du Yosh? Ah, Nazareth, je suis vraiment content de retourner dans cette ville parce qu'elle me rappelle plein de bons moments que j'ai passé avec mes parents là-bas. Avec Dakentype, nous avons décidé de manger une francesigne sur cette place juste en face de la plage. C'est donc ici que ce premier épisode se termine. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter et partage-la autour de toi. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour le deuxième épisode de notre road trip au Portugal. Peace.